À toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur l'Injulio. Débutons cette édition à la présidence où après la célébration de la journée mondiale de l'Afrique, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé un message pour conforter le peuple africain. Suivez ce communiqué signé la présidence de la RDC. Honorable Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, en ce jour où nous célébrons la création, il y a 58 ans, de notre organisation continentale, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine, nous ressentons en tant qu'Africains une fierté légitime et une profonde admiration pour les pères fondateurs qui, avec détermination et lucidité, ont donné corps à cette architecture continentale, symbole d'une Afrique unie et forte. En effet, comment ne pas saluer la pertinence de leur vision panafricaniste ayant conduit le 25 mai 1963 à Addis Abeba à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Celle-ci était destinée à rassembler les peuples africains pour faire face ensemble aux défis qui les attendaient au lendemain de la décolonisation. Héritière de sa devancière, l'Union africaine ne surgit guère du néant. Sa filiation certaine au panafricanisme réside fondamentalement dans l'objectif d'autodétermination des peuples africains. À la lumière d'innombrables défis qui se dressent devant nous, cette vision dont nous percevons encore plus clairement le bien fondé de nos jours doit véritablement assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent. En effet, forts de leur potentiel humain et de leurs ressources naturelles, nos États doivent mutualiser leurs efforts pour relever les défis qui engagent le sort de nos peuples, à savoir l'éducation, la sécurité alimentaire, la santé, l'emploi, les droits humains, l'alternance démocratique, l'environnement, la valorisation de notre culture et la préservation de notre patrimoine, la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation technologique comme fer de lance du développement. La gouvernance de nos États devrait résolument s'inscrire dans des challenges renouvelés pour stimuler le développement du continent. Il en est ainsi de la répartition équitable des richesses nationales, de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, de l'évasion des capitaux, de l'arrêt du pillage des ressources naturelles, de la relance des économies africaines post-Covid et de la fabrication locale des vaccins et autres produits médicaux. Face à tous ces défis, l'Union africaine s'est dotée d'un appui. Rendons-nous en Côte d'Ivoire où lancé depuis le 25 mai le Forum international Victoria prend fin ce jeudi 27 mai. Victoria est une rencontre annuelle de femmes africaines, leaders venant de toutes les quatre coins du continent. Le TOF de la RDC a été porté haut par Colette Tshomba, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Suivez. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du la pandémie Covid qui a perturbé, comme vous le savez, tout type d'organisation économique, financière et sanitaire. La seule parade qui nous reste pour faire face aux conséquences désastreuses de cette pandémie, c'est de rassembler toutes nos ressources humaines. Il faut donc mobiliser les hommes et les femmes. D'où l'importance, je crois, de soutenir le leadership féminin pour encourager cette cohésion. C'est ce qui explique la raison de l'organisation de ce forum. Mais pour quel résultat me diriez-vous en soutenant le leadership féminin, la parité ou le genre? Je voudrais répondre qu'il y a beaucoup d'avantages à tirer de la présence des femmes aux côtés des hommes dans les instances de prise de décision. En effet, l'intuition féminine, sa créativité, son sens d'anticipation, de compétitivité et du bien commun
font de la femme un partenaire sûr et responsable, bon gestionnaire pour une société plus juste et égalitaire, mais qu'il importe de renforcer et de soutenir plutôt que d'étouffer ou de combattre. Qui en effet aurait pu croire que hier, vice-présidente Madame Samia Suluhu est aujourd'hui présidente de la Tanzanie. Ça, c'est quand même le destin. Dieu prépare bien les choses. Une femme qui, nous avons l'habitude d'occuper toujours le second plan, mais bon, aujourd'hui, elle se retrouve présidente. Qui encore aurait pu penser que la chancelière d'Allemagne, Madame Angela Merkel, ferait 18 ans. C'est quand même 18 ans au pouvoir. Bon, là, évidemment, ça ne pose pas de problème parce qu'on n'est pas en Afrique. Quand c'est en Afrique, c'est trop. Hein. 18 ans au pouvoir. Bon, pourtant, 80 millions d'Allemands l'ont élu pour les diriger et elle a fait avec compétence, habilité, sincérité et un grand dévouement. Elle va donc quitter ce poste après avoir laissé l'Allemagne au sommet de l'Europe. Nous savons tous que cela n'est pas facile car la femme doit faire face à plusieurs contraintes et critiques de tout genre. En même temps, à compétence égale, elle doit fournir plus d'efforts hein, pour que son homologue masculin accepte qu'elle a à moitié bien fait son travail. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme je vous ai dit, quand on parle en dernier lieu, tout a été ramassé. Hein. Voilà pour moi l'occasion de remercier encore une fois les organisateurs et toutes les interventions. Revenons à Kinshasa où les collectifs des avocats de Vital Kamerhe à travers un communiqué signé par le bâtonnier Joseph Guyanika dont la copie est parvenue à Léon Joliot le mercredi 26 mai 2021 annonce la tenue d'une conférence de presse ce samedi pour donner les éclaircissements du dossier concernant le procès dit de 100 jours. L'UNC de son côté organise une marche pacifique ces vendredi à Kinshasa, la capitale, pour soutenir son président national, Vital Kamerhe, Luakaningini. Et d'autre côté, les habitants de Majengo, Mambanga, Nord, Mabanga Sud, Virunga, Bujuvu, Kayembe, Marara, Mikeno, Mapendo, à Goma sont obligés de se déplacer sur le mot d'ordre donné par les autorités provinciales de suite de risque d'une nouvelle éruption volcanique qui peut arriver sans prévenir. Et à Beni, la nouvelle société civile congolaise, section Beni, a alerté ce jeudi 27 mai la prise en otage d'au moins 6 civils, tous agriculteurs dans la région de Kavasewa, qui se situe dans la chefferie de Bachou, en territoire de Nord-Kivu. Et au sud Kivu, une commission provinciale visant à identifier et des déplacés en provenance de Goma au nord Kivu a été mise en place par le gouvernorat provincial du sud Kivu. Cette décision a été prise le mercredi 26 mai 2021 lors d'une réunion d'urgence tenue au cabinet du gouverneur de province sur la situation des habitants de Goma de suite de l'éruption volcanique de Nirangongo. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.